Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous un nouveau crash test. Oui, on a fait un crash test la semaine dernière. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai la vidéo ici pour que vous puissiez aller regarder, d'accord? Aujourd'hui c'est un nouveau crash test avec de nouveaux ingrédients. Donc ça tombe bien, pourquoi? Parce que si vous n'avez pas les ingrédients que j'ai montrés la semaine dernière, vous pouvez très bien vous battre pour avoir ces ingrédients ici parce que voilà quoi, ici là on n'a pas besoin de grand chose. D'accord, vous allez découvrir les ingrédients au fur et à mesure que la vidéo évolue. Vous allez découvrir comment ça se passe au fur et à mesure que la vidéo évolue. Et je profite pour vous inviter à regarder la vidéo intégralement avant de poser des questions si vous en avez, s'il vous plaît. Prenez le temps de regarder la vidéo intégralement, regardez comment ça se passe, regardez ce que je fais du début jusqu'à la fin avant de poser des questions. Ok, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez de regarder. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite fortement à vous abonner, à activer la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Et venez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et je vous invite à liker cette vidéo d'entrée de jeu. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Paris, je suis basée à Douala au Cameroun. Je suis une maquilleuse professionnelle et je suis également une comédienne voix off anglais et français professionnel. Donc, on a beaucoup parlé, on va entrer dans le vif du sujet. Shall we? Let's go. Alors, déjà, les ingrédients sont complètement différents, mais c'est à peu près la même chose. Je pense que vous avez déjà vu la miniature. On va préparer ensemble, comme d'habitude, à la cuisine. Voilà, let's go, c'est parti. Ok, donc cette fois-ci, on a besoin que de deux ingrédients. On a besoin du blanc d'œuf et on a besoin d'une cuillère à soupe de citron. Ok, on va commencer par prendre le blanc d'œuf. On va casser notre œuf pour enlever le blanc, like here. Ouh. Voilà. On a notre blanc d'œuf. Yay, super. Maintenant, on va couper notre citron comme ça pour avoir une cuillère à soupe. Je pense qu'une cuillère à soupe, c'est environ demi-citron. Hein. Donc voilà, une cuillère à soupe de citron. On va mélanger. Donc, voilà ce que ça fait. Ok, maintenant on va passer à l'application, let's go. Ok, donc pour cette étape, si j'ai besoin de mouchoirs comme ça, en fait c'est les Kleenex, c'est les mouchoirs au rang comme ça, ceux qui sont au Cameroun savent de quoi il s'agit, que j'ai séparé en trois, d'accord, parce qu'on a besoin d'un truc qui est super, super, super fin. Ce qui va se passer, c'est que on va devoir étaler sur le visage. D'abord comme ça, ok. Une fois qu'on étale ça sur le visage, je vais mettre ça même jusqu'au cou. Hein. Ça peut même arracher les poils du cou là, ça va être bien. Donc on étale ça comme ça bien partout. Ensuite, on prend un morceau de mouchoir et on colle dessus. Je suis votre cobaye, vous êtes fiers. Voilà. Comme ça. Une fois qu'on a étalé, on reprend la mixture et on remet dessus. Comme ça. Donc c'est ça. Donc je vais remettre ici. Ok. Je vais déchirer ça. Comme ça. Pour pouvoir au moins coller une partie. Non, ça c'est trop sur mon œil, ça. Non. Oh! Comme ça. Ok, je vais terminer le reste du visage et puis je reviens. Ok, donc voilà où on en est. Ok, je vais attendre que ça sèche complètement et puis je reviens. D'accord. Hi
on fait enlever. On dit qu'on enlève pour comme ça, tu vois. On enlève par le haut. Ça va être dur hein, de sécher. Il préfère là où il faut venir. En termes de douleur, ça passe. Ok, ça passe. Ça passe vraiment. En termes de douleur. Hey. Ah. Ça passe. C'est pas aussi douloureux que celui de la semaine dernière. If you know what I mean, pour ceux qui ont vu. Donc. Here we go. Bon. Ok. Ouh. Attendez, je finis d'enlever, je vais bien regarder ça après. Quand même, je vois quelques petites têtes blanches là sur le papier. Bon, j'arrive, on va se retrouver directement pour la fin de la vidéo. Je vais vous donner mes impressions, ce que j'ai eu, ce que je vois, ce que je... Voilà. Mais déjà, vous de votre côté, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez une différence par rapport à avant? Forcément, le visage est plus frais. Et à part ça, qu'est-ce que vous voyez d'autre? On se retrouve dans les commentaires. J'arrive. Comme vous avez constaté, on n'a que deux ingrédients. How cool is this? Je me souviens dans les commentaires de la dernière vidéo. Et si on n'a pas la gélatine? Et si on n'a pas la gélatine? À la place de la gélatine, qu'est-ce qu'on peut mettre? Où est-ce qu'on trouve la gélatine? Pourtant, j'ai bien dit dans la vidéo là où est-ce que j'ai acheté ma gélatine. On trouve ça en grande surface. Ok, la gélatine se trouve en grande surface dans les supermarchés, dans le rayon pâtisserie. Là où il y a les levures chimiques, les farines. Et ceci, et cela, ce genre de choses, c'est là-bas que vous allez trouver la gélatine. Donc, allez dans n'importe quel supermarché de votre entourage. Allez dans le rayon pâtisserie et demandez la gélatine là-bas. D'accord? D'accord. Maintenant, en ce qui concerne l'œuf, le blanc d'œuf, vous savez très bien que l'œuf, c'est quelque chose de naturel. Donc, forcément, super bon pour la santé. Ça adoucit la peau, ça lisse la peau, ça nourrit la peau. Donc, franchement, l'œuf, c'est tout ce qu'il y a de bon. Et puis, le citron, les vertus du citron ne sont plus à démontrer ici, aujourd'hui. D'accord? C'est que le citron, ça nettoie, ça éclaircit la peau et tout. Donc, les deux mélangés, comme vous avez vu, j'ai appliqué. C'était top. Par contre, ce que j'ai constaté lorsque j'étais en train de retirer ce masque-là, déjà, je pense que tout le monde a constaté, c'était beaucoup plus facile à enlever que le masque de la semaine dernière. J'ai l'impression que c'est pas très 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 fort en fait. Je me dis, ça c'est un masque que tu fais entre tes soins intensifs, tu vois un peu. C'est pas un masque qui va remplacer tes soins en profondeur, mais c'est un masque qui fonctionne. Pareil, la peau est lissée, ok, la peau est lisse, la peau respire, le make-up adhère et tout, tout ce qu'on aime là. Super top. Et puis, quand j'ai enlevé ici, parce que c'est ici là généralement que j'ai beaucoup plus de comédons. Quand j'ai enlevé, je me suis rendu compte que c'est comme si les comédons sont un peu sortis. Ils sont sortis à mi-chemin, tu vois. Et les personnes même que j'ai vu faire ce masque-ci ont conseillé d'exfolier la peau après avoir fait ça. Donc, j'ai exfolié ma peau et ça fait que tous les comédons qui étaient déjà vraiment presque sortis de ma peau sont tombés tout simplement. Et la peau est restée super lisse, super douce et tout. Donc par contre, ceci, tu peux faire ça 3 fois par semaine, sans problème. Mais celui de la semaine dernière, là, il est beaucoup trop fort pour qu'on puisse le faire 3 fois par semaine. Mais par contre, celui-ci, c'est super top, c'est bien. Tu peux faire ça 3 fois par semaine au calme et à la longue, tu vas constater vraiment des résultats. Et je sais pas, mais j'ai comme l'impression que par rapport aux soins de la semaine dernière et à ce soin-ci, ma peau commence déjà à changer un tout petit peu. Je sais pas si c'est dans ma tête. Mais de toute façon, je continue d'observer et je vous en dirai plus. S'il faut choisir entre les deux, honnêtement, moi, je préfère celui de la semaine dernière parce que celui de la semaine dernière est bien coriace. Bien coriace. Donc, si tu as une peau qui a plein de déchets, de peau morte, d'impureté, de comédon, tout ça, le masque de la semaine dernière est super top. Mais si ta peau, voilà, n'a pas trop de problèmes, ta peau est normale et tout, tu peux y aller avec celui-ci ou alors tu peux alterner entre les deux. Donc, voilà, c'est un masque intéressant, honnêtement. Je vais, une fois de plus, définitivement l'intégrer dans ma routine parce que j'aime bien le rendu, j'aime bien ce que ça a fait.
Et comme j'étais en train de vous dire la semaine dernière, c'est des trucs qui vont vous permettre d'améliorer instantanément la texture de votre peau, like, no jokes. Si par exemple tu as une soirée, tu as quelque chose, tu veux sortir, et puis tu n'as pas le temps d'aller en institut pour, voilà, pour qu'on prenne soin de ta peau comme il faut, tu fais ça au calme à la maison. Ton make-up va se coucher comme jamais. En tout cas, c'est ce que moi je constate et franchement, j'adore, ok, j'adore, je vous conseille, je vous encourage, si vous voulez le faire, allez-y. Foncez, ok? Donc c'était ça pour cette vidéo une fois de plus. Si vous avez des idées de crash test de ce genre, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Vous pouvez même m'envoyer les liens directement sur Instagram, c'est Paris Batonda. Il y a des gens qui m'écrivent souvent pour me demander comment me contacter, c'est sur Instagram Paris Batonda ou alors par mail parisbatonda@yahoo.com. Vous pouvez m'écrire là-bas. Mais honnêtement, c'est que des pépites. Jusqu'ici, c'est que des pépites. Je vais continuer à tester les astuces des Asiatiques là. Parce que les femmes là, elles ont des peaux incroyables. Je suis sûre que c'est grâce aux soins à base de produits naturels qu'elles font très constamment. Ok? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez également la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Quand je ne suis pas ici, je suis sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vous invite à aller me rejoindre là-bas une fois de plus pour qu'on puisse s'amuser ensemble. Le contenu là-bas, c'est top également. On adore, ok? On adore. Donc venez me rejoindre là-bas. On va s'amuser ensemble. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!